Bonjour à tous, cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux. Le lien est dans la description. Bonne vidéo. Ah, ici ils sont pleins, ils sont vraiment occupés ici là. Mais ça va être marrant à faire ici, je pense. On va voir ce que ça va donner. On va vraiment voir ce que ça va donner, une tente de voir ce que ça va donner. Parce que bon, ici, je pourrais déjà faire des fermes si je voulais sur tout le côté là, etc., etc., vous voyez. Même déplacer mes réserves d'eau ici, je pourrais le faire, mais j'ai pas envie pour l'instant d'utiliser le bois. Dans le sens où le bois, on l'exporte pour le moment. Et on a trop besoin d'exporter le bois. On en produit trop peu. On en produit vraiment trop peu du bois. Bon, ce qu'il y a de cool, c'est que les ruches, ils vont pouvoir les faire gentiment ici. Et on va leur faire un petit chemin pour aller faire les ruches là-bas, comme d'habitude. Hein. Parce que sinon, celles-là, ils vont jamais les faire. Ah, c'est ça, ouais. Sinon, celles-là, ils vont pas les faire. Si je leur mets pas un petit chemin, ils vont pas les faire. Quand il va y avoir les rondins ici qui vont pousser, ça va être un truc de malade mental. Pareil ici, vous me direz, quand les rondins vont pousser ici, ça va être bien aussi, ça va être sympa aussi. J'adore faire les coups de Trafalgar comme ça dans les jeux. Surtout dans un jeu comme ça où c'est qu'on a le temps, quoi. On va remettre de l'eau ou pas encore? Ah oh oui, on peut remettre de l'eau, oui. On peut remettre un poil d'eau, oui. Il y a assez. J'ai quasiment rien vidé de ce côté-là. Si, j'ai vidé un petit peu quand même. Ah, j'ai perdu beaucoup d'eau par contre là. Et ça, c'est pas bon, ça, ce que j'ai fait. C'est pas grave. Non, ça va, je peux pas perdre du temps d'eau que ça. En vrai, Osef, parce que bientôt on pourra. On pourra vraiment faire le nécessaire. Mais ici, il faut absolument que je garde de l'eau, par contre. Hein. Absolument. Eh, ça commence à pousser, les gars. On va pouvoir bien exploiter ce bois-là. On n'a pas vraiment sans bois ici. Derrière, ils ont un petit peu de bois qui arrive.
Bon, là, c'est un tronc par un tronc, ces arbres. Hein. C'est les arbres pourris, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. C'est vraiment, vraiment pas grave. Ah, on est tranquille. Ici aussi, ça va commencer à pousser. Bien sûr que ça va commencer à pousser ici aussi. Ah, oh, c'est trop bien ça. Voilà, je vous ai donné l'ordre. Hein. Ouais, je vous ai dit que vous pouviez exploiter cette zone-là. Cette zone-là. Un seul travailleur, ça suffira. Ça, je te m'en pose. Ça va être l'expérience, hein, les gars. Ça va vraiment être l'expérience. Hein. Il y a deux, postes vacants, donc en vrai ça va. Et on va refaire une vraie maison. D'ailleurs, ici, il faudrait vraiment que je le refasse tout. Je sais pas encore comment le faire. Je pense que la zone d'habitation, je vais la faire ici, en vrai. En vrai, ça me semble vraiment pas déconnant que la zone d'habitation elle soit là. Voilà. Parce qu'ici, il va vraiment avoir beaucoup de bois. Et je me dis qu'en ayant la zone d'habitation ici, c'est plus proche qu'ici, entre guillemets, hein. Et donc, ça sera mieux. D'ailleurs, tout ça, ça va dé... À part le centre de district, tout ça va dégager de là. Ça y est, les ruches commencent à être construites. Donc logiquement, peut-être ces trucs-là, ça va les accélérer. Je sais pas du tout comment fonctionnent les ruches, donc j'espère que ça va accélérer le bois aussi. C'est trop bien que ça accélère le bois aussi. Oh, regardez-moi ça ici, ils ont quasiment terminé. Ils ont quasiment terminé le deuxième étage. Bon, il en reste à faire encore, hein, mais voilà quoi. Ils ont quasiment terminé le deuxième étage, ces couillons. Quoi un castor quand on y pense? C'est vraiment con le castor quand on y pense. C'est marrant ça, les limitations dans la ville principale ne fonctionnent pas, mais ici elles fonctionnent. Ah ouais, eux par contre, en termes de bûches, ils explosent tout, hein. Ah ouais, on est quand même monté à 100 papiers! On en a combien du papier?
115. Ah ouais, d'accord. Le temple, ça me fait trop rire le temple. Désolé, mais le temple, il me fait trop rire là-haut. Voilà, on a plus d'eau ici. Ça fait 3 jours hein, que. Ouais, ça fait 3 jours hein, que l'eau est à fond. Hein. Il serait peut-être temps que je m'en aperçoive. Il serait peut-être temps que je m'en aperçoive. Ça y est, ça revient. Mais bon, ça va. On n'a pas eu de grosses pertes. J'espère qu'on n'a pas eu de pertes. Non. Et du coup, eux, j'ai pas vu. Ouais, lui, il occupe à construire les ruches, là, pour l'instant. Il amène les rondelles, le papier. Et il commence à sortir la ferraille. Ça y est, on commence à avoir de la ferraille. On commence à avoir de la ferraille. C'est beau. Allez, faut finir ce mur. Rien que ce bois-là, je pense que ça suffira. Voilà. Ici, ils sont pleins comme ça. Ils sont neufs. Il n'y a aucun sans-abri maintenant. Ils ont tous un abri. Et ici, ils ont besoin de monde. Au moins comme ça. Renvoyer 6 bonhommes, il reste 3 sans-abri, ça va. Il n'y en a aucun, on a aucun sans-abri. Tout va bien, tout va très bien. Et ça progresse bien ici.
À mon avis, cette maison, on va jamais tenir. Trop marrant. Trop marrant. Je suis con, hein, quand je m'y mets. J'adore, hein. J'adore vraiment. J'aime vraiment beaucoup tenter des trucs comme ça, là. Je voulais savoir si une maison à deux étages pouvait être inondée au niveau du rez-de-chaussée. Ben, je vais le savoir, hein. C'est vrai que je vais le savoir. Hein. Ma bêtise n'a aucune limite, c'est ça mon problème. Et là ici, il pourrait y avoir un nouveau district. Vu que cette zone-là va être inondée, toute cette zone-là va être fertile, donc ça sera parfait. Absolument parfait. Absolument parfait. Ici, c'est quand même une petite cohue hein, qu'il y a. Hein. Pouah, 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 pouah. Ah, quand même. Bon, du coup, je me pose une question. Ça regorge, d'accord. Donc en fait, aller exploiter les mines va être extrêmement rentable. Mais d'abord, il faut exploiter la ferraille pour avoir les ressources pour aller faire les mines. Ok. Ouais, ça y est, ils ont fini en bas. Thank you.